l'invité de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Bienvenue sur Radio Cool Direct. Merci aujourd'hui de nous rejoindre à notre micro. C'est Olivier Buirette. Bonjour Olivier. Salut Marco. Bonjour à toutes et à tous. Tu es historien. Je suis donc historien, docteur en histoire contemporaine. Ma spécialisation c'est l'Europe centrale et les Balkans. J'enseigne cette matière-là à la Sorbonne Nouvelle, l'université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. À Paris, et donc je suis aussi responsable du service des doctorats de cette université. Voilà, j'ai deux casquettes administratives et enseignement. On t'a invité au micro de Radio Cool Direct pour nous parler de l'Ukraine. On sait ce qui se passe actuellement, pourquoi ce conflit. Donc on va essayer d'être... tu vas essayer de nous éclairer donc de tes lumières. L'Ukraine, d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ce pays, l'Ukraine? Oui, alors tout à fait. Alors donc, à l'origine, l'Ukraine, c'est un pays très ancien, qui remonte facilement, c'est un des premiers États slaves du Moyen Âge, on est autour de l'an 1000, et entre que ce soit Kiev ou Novgorod, enfin on est dans le berceau en fait des peuples slaves et russes dans la région. Alors pour faire simple en fait, quand la Russie va se constituer en tant qu'État progressivement à travers l'histoire, l'Ukraine va tout simplement en faire partie, ainsi que la Biélorussie. Et puis après, on connaît bien l'histoire des tsars Moscou, Saint-Pétersbourg ensuite vont conquérir un immense empire qui est encore à peu près aujourd'hui ce qu'il est, eurasiatique, c'est-à-dire qui va effectivement, depuis la Russie européenne jusqu'au fin fond de la Sibérie et qui, donc cet empire comportait également un certain nombre d'États en Asie centrale. Alors tout ça, en 1917, il y a la révolution bolchevique, il y a la création de l'URSS, qui va naître petit à petit, qui va reprendre à peu près cet immense empire pendant à peu près 70 ans. Puis, pour faire toujours le plus simple possible, au début des années 90, il y a la chute du communisme. Alors les États d'Europe centrale vont redevenir indépendants, le bloc de l'Est va redevenir indépendant. Et puis aussi, les anciens États que contrôlait l'Empire tsariste et ensuite l'URSS. Et donc bien sûr la Biélorussie, l'Ukraine, qui va avoir son indépendance le 24 août 1991. Et puis on le sait, l'URSS disparaît en décembre 1991 pour donner naissance à la Russie et à la Fédération des États indépendants. Mais entre-temps, l'ensemble des anciennes républiques d'Asie centrale, elles aussi, le Kazakhstan, où il y a eu récemment une tentative de révolution, l'Ouzbékistan, etc., etc., tous ces États-là, eux aussi vont devenir indépendants. Et donc pour la Russie d'Europe, si on peut dire, les possessions en Europe, on a la Biélorussie, l'Ukraine et la petite Moldavie, ainsi qu'un certain nombre de pays du Caucase, comme la Géorgie, qui vont devenir des États tout à fait indépendants à la faveur de la disparition, de la dislocation de l'Empire soviétique. Excuse-moi Olivier, je vais juste te couper. Ce sont donc les révolutions qui ont fait tomber l'URSS? Oui, ce sont les soulèvements, c'est-à-dire que tous ces peuples, en fait, qui étaient rattachés à l'Empire des Tsars et ensuite à l'Union soviétique, alors l'Union soviétique avait modernisé la chose en les transformant en des républiques autonomes, qui faisaient partie du RSS, bien sûr. Et effectivement, à partir de 1985, quand il y a les réformes mises en place par Gorbatchev, la circulation de la d'une certaine nouvelle forme de liberté, etc., tous ces peuples-là, évidemment, vont demander leur indépendance et vouloir se détacher de l'URSS. C'est ce qui fait sa dislocation et sa disparition à la fin donc de l'année, de décembre 1991.
Donc en effet, oui, bien sûr, tous ces peuples-là se sont soulevés. Bon, heureusement, comme c'était sous Gorbatchev, il n'y a pas eu de répression militaire, hein, mais ils ont effectivement proclamé et obtenu leur indépendance. Hein, voilà. Alors, évidemment, ce qui s'est produit ensuite, c'est qu'il s'est produit une période de transition où, en effet, eh bien, à Moscou, alors, donc, une fois que Gorbatchev, que l'URSS a disparu, bah, ça a été d'abord Boris Yeltsin, hein, jusqu'au début des années 2000, et puis depuis 2000, bah, on le sait, hein, c'est Vladimir Poutine qui est donc, évidemment, le leader hein, en place dans la Russie actuelle. Bon. Et progressivement, donc, dans les années 90, début des années 2000, eh bien, ces pays-là sont restés sous influence, évidemment, de la Russie. Hein. C'est un peu une tradition, évidemment, diplomatique, puisqu'ils venaient de s'en détacher. Et puis, bah, notamment pour les pays situés du côté européen, alors je ne parle pas de la Biélorussie, parce que c'est un cas à part, puisqu'il y a un autocrate qui est au pouvoir, qui s'appelle Loukachenko, et on l'a vu, donc, qui est totalement sans soutien de la Russie actuelle de Poutine, hein, puisqu'une partie de l'attaque actuelle contre l'Ukraine s'est faite depuis la Biélorussie. Mais l'Ukraine, par exemple, la Géorgie, la Moldavie, hein, tous ces petits pays, ces pays européens donc, qui ont gagné leur indépendance dans les années 90, eh bien, en effet, progressivement, ils ont suivi le même mouvement hein, que les pays d'Europe centrale. Quand l'Europe centrale, c'est-à-dire les anciens pays de l'Est, hein, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, etc., bah, ces pays-là, quand ils ont eu, ils sont redevenus des États indépendants donc, dans les années alors, 90, hein, à partir de 89-90, bah, ils ont d'abord demandé à entrer dans l'OTAN, précisément, ce qu'ils ont obtenu. Je veux dire, par exemple, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie sont rentrés dans l'OTAN en 1999. Hein. Les pays baltes, hein, la Roumanie et la Bulgarie, autre exemple, en 2004. Et puis ensuite, ils sont rentrés dans l'Union européenne. Et le même phénomène se produit, c'est d'ailleurs ce qui explique, évidemment, une partie des problèmes actuels, hein, en Ukraine, qui elle aussi a ensuite, alors ça a pris plus de temps, hein, mais souhaité intégrer l'OTAN et puis l'Union européenne. On a vu le cas aussi en Géorgie. Hein, petit état du Caucase qui en 2008 hein, avait souhaité la même chose et puis résultat bah, c'est là que Moscou a fait une première intervention hein, pour rappeler que c'était entre guillemets sa zone d'influence hein, c'est là que les peut-être un peu les problèmes prennent leur origine hein. Et puis donc évidemment la Moldavie hein, qui est un peu moins connue mais on commence à en parler beaucoup avec le conflit actuel hein, qui est cet état qui se situe entre la Roumanie et l'Ukraine actuelle et qui également, donc un gouvernement pro-occidental, souhaite entrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne. En fait, c'est un phénomène quasi mécanique en fait, de ces États-là, hein, de vouloir évidemment s'ancrer à l'Occident, donc au niveau sécurité, en étant protégé par l'OTAN, bien sûr, dans un premier temps, et puis ensuite économique, hein, avec l'adhésion donc l'Union européenne. Et donc c'est ce qui s'est produit là, c'est qu'on est tombé sur un point de rupture dans une crise grave qui a commencé en 2014, hein, quand cette fois-ci, Poutine hein, a d'une part annexé la Crimée, hein, parce que tout simplement l'Ukraine avait manifesté vraiment son désir de s'ancrer vers vers l'OTAN, vers le jeu, d'une façon vraiment très claire. Hein. Donc la Crimée, donc en effet, a été annexée, ça on se souvient, c'est le début d'ailleurs en fait de la crise actuelle, hein, 2014, et puis ensuite il y a eu cette terrible guerre qu'on appelle la guerre du Donbass, hein, qui est le premier conflit, si je puis dire, qui a éclaté en voulant donc rattacher deux républiques autoproclamées pro-russes hein, de l'Est de l'Ukraine, qui sont la République populaire du Donetsk et celle de Louhansk. Et là, il y a effectivement, il y a eu un premier conflit qui durait depuis 2014. Et puis, bon, bah, comme dans toutes les crises internationales, il y a eu un point de rupture et il y a eu donc cette invasion donc, de l'Ukraine hein, qui a commencé donc, eh bien, pas plus tard qu'à la fin hein, du mois de février, hein, le 24 février, comme on l'a vu, et là on est en plein dedans à l'heure actuelle. Voilà un peu donc, pour expliquer, hein, Marco, les origines hein, de ce qui se passe à l'heure actuelle. Allez, je suis avec Olivier Buirette, notre cher ami Olivier, qui est docteur en histoire,
Il y avait deux questions d'abord que je voulais te poser. Donc le Donbass que tu viens d'évoquer, on entend par-ci, par-là, que depuis 2014, l'Ukraine bombarde le Donbass. Pourquoi ? Est-ce que c'est vrai ? Pourquoi ? Alors, il faut évidemment, sur cette histoire-là, parce qu'on est, comme on est en plein, là, maintenant, sans doute une des crises internationales les plus graves, parce que c'est quand même la première fois que la guerre ressurgit en Europe, alors non pas depuis 1945, mais depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis la guerre de dissolution de la Yougoslavie, hein, qui a été une guerre terrible dans les Balkans, hein, qui a duré plus de 10 ans, avec quand même largement 100 à 200 000 morts, et encore, ça n'est pas totalement chiffré. Alors oui, en effet, là, ces deux républiques autoproclamées, hein, de Donetsk et de Louhansk sont des régions de l'Est de l'Ukraine, hein, avec donc une majorité de population russophone. Et donc, en effet, cette guerre du Donbass a commencé en effet du moment que ces deux républiques autoproclamées, non reconnues évidemment internationalement, hein, donc en 2014, eh bien en effet, ça a déclenché en effet une guerre, hein, tout simplement, que l'Ukraine avait récupéré ces deux républiques, hein, et de l'autre côté, eh bien Moscou donc soutient, hein, et en tout cas jusqu'au début du conflit là qui a lieu maintenant, hein, soutenait en sous-main ces deux républiques. Et puis maintenant, évidemment, on l'a vu, c'est d'ailleurs un des éléments qui a déclenché le conflit, hein, a reconnu leur indépendance. Et ensuite, évidemment, c'est à partir de là, hein, que l'invasion donc de l'Ukraine a pu, enfin de ce qui est de l'Ukraine non russophile, en tout cas, a pu se produire. Voilà. Donc ça... effectivement, il y avait déjà un conflit, cette guerre du Donbass, hein, qui dure depuis 2014. Ouais. Tout à fait. 2014. Donc du coup, l'Ukraine est sur deux fronts, là, si on comprend bien. Parce que c'est pas fini au Donbass. À l'heure actuelle, quand on regarde la carte, c'est absolument terrible parce qu'il y a trois fronts. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'invasion qui a commencé par le nord, hein, c'est-à-dire depuis la Biélorussie, parce que la Biélorussie, qui fait partie de l'alliance d'assistance militaire entre Moscou, hein, la Russie et un certain nombre d'autres anciennes républiques, eh bien, donc les troupes russes sont passées par la Biélorussie. Il y a des accords, hein, Loukachenko est on l'a bien vu, hein, un autocrate en pouvoir à Minsk, complètement pro-Poutine, hein. Poutine l'a aidé notamment pour réprimer pas mal de manifestations contre son pouvoir, hein. C'est une sorte de mini-Poutine, hein, si on peut dire, Loukachenko. Et c'est de là, hein, que par le nord, hein, le nord c'est là aussi où se trouve Tchernobyl, hein, faut pas l'oublier, centrale nucléaire désaffectée, mais qui est dans une situation particulièrement, chancelante, hein. C'est même extrêmement inquiétant. Donc c'est par le nord, en effet, parce que Kiev aussi est au nord, la capitale, hein, que le parti de l'offensive a eu lieu. Il y a une autre offensive qui est à l'est, complètement à l'extrême est de l'Ukraine, donc vers la ville de Kharkiv, parce qu'on prononce bien Kharkiv, je précise, parce que beaucoup de gens peuvent se poser la question, mais pourquoi avant on voyait Kharkov et Kharkiv maintenant ? Bah, tout à fait, Kharkiv, c'est la façon de prononcer le nom de cette grande ville de l'est, de le prononcer en ukrainien. Hein. Kharkov, si tu dis Kharkov, en fait, c'est la période où l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Donc ça a changé de nom. Enfin, c'est un petit détail, mais qui, franchement, à l'heure actuelle, je pense que c'est très, très symbolique. Hein. Donc là aussi, il y a une offensive. Kharkiv est à peu près encerclé à l'heure actuelle, etc. Et puis, il y a une offensive par le sud, effectivement, donc depuis le sud-est, hein, les deux fameuses républiques autoproclamées de Donetsk et Luhansk, hein, bah, qui tout simplement, et en plus par la Crimée, hein, qui est évidemment russifiée, pour donc attaquer par le sud-est, effectivement, l'Ukraine. Donc il y a trois fronts. Tout ce qui reste, c'est l'ouest, la ville de Lvov, hein, donc là aussi on dit Lviv maintenant, qui est une ville située pas très loin de la frontière avec la Pologne, hein, et là, effectivement, c'est un peu la ville où tout ce qui est possible de réfugiés, parce que c'est une tragédie, évidemment, toutes les guerres sont effroyables, mais là particulièrement parce que les civils
se retrouve quand même sur le champ de bataille. Aucune ville n'est ouverte. Je sais pas, tiens, c'est Paris, Paris ville ouverte, Rome ville ouverte pendant la Seconde Guerre mondiale. Bah là, non, on se bat. Les Ukrainiens se défendent, rue par rue. Donc il y a une très forte résistance des Ukrainiens contre cette invasion. Donc aussi, à l'Occident, on l'a bien vu, les soutiens, notamment par envoi de matériel, etc. Et parallèlement à ça, il y a aussi des négociations qui sont en cours, on l'a bien vu. C'est une situation, c'est toujours assez complexe de commenter en tant qu'historien à vif une situation pareille, parce qu'elle est, elle est fort compliquée. Moi, ce que je peux faire, au mieux, et c'est pour ça que sans problème, ça me faisait plaisir de pouvoir répondre à ta demande d'interview, c'est que nous, en tant qu'historiens, ce qu'on peut faire, c'est expliquer pourquoi, comment on en est arrivé là. Après, ce qui se produira par la suite, mon Dieu, j'aurais bien du mal à pouvoir le dire. Mais il y a des spécialistes tout à fait confirmés qui le feront. Mais bon, le rôle de l'historien, c'est on peut retracer vraiment, si tu veux, historiquement, enfin sur une histoire proche, toute la politique qu'a menée Poutine, si tu veux, depuis qu'il a succédé à Boris Yeltsin, c'est-à-dire depuis le début des années 2000. Ça a commencé quand même par la deuxième guerre de Tchétchénie, où c'est encore un petit état du Caucase, qui voulait être indépendant, sauf que la Russie les en a empêchés, et il y a eu cette deuxième terrible guerre où Grozny, la capitale, a été rasée complètement. C'était une guerre, et en territoire européen, une guerre terrible, il suffit de revoir un peu les annales sur cette histoire. La capitale a été rasée, etc., etc. Aujourd'hui, évidemment, c'est un état totalement sous contrôle de Moscou, mais à l'époque, on parlait déjà de génocide, etc., etc., tout un tas de problèmes, tout un tas de choses dont on accuse actuellement la Russie, évidemment, en Ukraine. Moi, je te donne à titre personnel mon témoignage, c'est que j'ai une ancienne étudiante à moi, qui est de nationalité française maintenant, mais qui est ukrainienne et qui était rentrée juste avant la guerre, voir ses parents qui sont à Kharkiv, précisément. Et il se trouve évidemment qu'elle s'est retrouvée coincée là-bas. Alors j'ai des nouvelles, alors elle s'est fait enregistrer auprès de l'ambassade de France, pour une exfiltration humanitaire dès que ce sera possible, mais ce qu'elle m'a décrit des bombardements c'est la seconde ville de l'Ukraine, Kharkiv, ou Kharkov, c'est effrayant. Il paraît que ils aplatissent littéralement les barres d'immeubles, c'est-à-dire que donc c'est vraiment une situation très dramatique et dont on va découvrir, à mon avis, et là je crois que quand les autorités françaises disent que Affaires étrangères compris, que le pire est probablement encore devant nous, c'est pas impossible, parce que vraiment, même si l'armée russe semble piétiner parce qu'il y a une vraie résistance des Ukrainiens, ils mettent le paquet, j'ai l'impression qu'ils mettent le paquet comme ils avaient mis le paquet sur la Tchétchénie au début des années 2000. Donc c'est ça aussi ce qu'on peut faire nous en tant qu'historien, c'est expliquer en quoi Poutine, après avoir purgé le pays des oligarques indépendants, etc., toute cette forme d'anarchie économique qui était née sous Boris Yeltsin, ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Il a remilitarisé la Russie, il a tenté une forme de restauration du prestige, en tout cas de son influence internationale, et surtout cet aspect vraiment de remilitarisation. Moi, je sais que dans mes cours, ça fait quand même une vingtaine d'années que je les donne, j'ai toujours attiré l'attention des étudiants, notamment vers la fin du cycle de mes cours, on assiste quand même sur toute cette presque 20 ans maintenant de pouvoir pour Poutine, vraiment une politique de remilitarisation, etc., etc. Et quand on fait ça dans l'histoire, on sait bien que c'est pour s'en servir un jour ou l'autre. Et c'est vraiment cette idée de vraiment maintenir une zone d'influence. Et si il n'y arrive pas en intimidant les États voisins, comme la Géorgie en 2008, comme pour cette annexion de la Crimée, intervention militaire. Alors évidemment, on retrouve en plus, c'est absolument dramatique, les termes
pire des pires moments de la guerre froide en parlant d'opérations spéciales. En fait, il s'agit ni plus ni moins, et c'est parfaitement exact, que d'une guerre d'invasion, de la violation de toutes les règles de souveraineté des États, et c'est une pure guerre d'agression, hein, rien d'autre, hein, pour tout simplement mettre au pas... l'Ukraine, hein. Et alors évidemment les autres s'inquiètent pendant ce temps-là. Alors les États comme la Pologne, si tu veux, comme les Baltes, hein, il suffit de regarder une carte, on comprend très bien qu'ils soient très inquiets, mais ils sont tellement inquiets que eux, dès qu'ils ont pu, ils sont rentrés dans l'OTAN, donc quelque part ils sont protégés, parce que si on les attaque, là on sait très bien ce que ça veut dire, hein, si l'OTAN est attaqué par la Russie, bah, c'est un casus belli nucléaire, hein. On l'a bien vu, hein, Poutine a réactivé son, comment dire, un grand renfort de propagande, son arsenal nucléaire, hein, et les Occidentaux ont quand même rappelé qu'eux aussi, hein, ils avaient un arsenal nucléaire. Donc on sait, ça c'est à la base même de la dissuasion, hein, c'est que bien sûr, il n'y a jamais de vainqueur dans une guerre nucléaire. Donc, bon. Par contre, il est vrai que la Moldavie, hein, ce pays frontalier de la Roumanie, qui est vraiment... voisin tout proche, hein, de l'Ukraine à l'heure actuelle, hein, là la Moldavie effectivement s'inquiète. En plus c'est une des zones où une masse de réfugiés arrive, hein, à l'heure actuelle. Là on a il y a un danger, parce que si la guerre s'étend, il va savoir, hein, moi ça personne ne peut le dire, moi j'espère que ça finira le plus tôt possible, parce que c'est évidemment effroyable, mais si la guerre s'étend en Moldavie, là qu'est-ce qui se passera, tu vois. Donc voilà, il y a plein d'incertitudes, et c'est vrai, ça je crois, bon après chacun pense ce qu'il veut de notre chef de l'État, hein, mais bientôt on a la campagne électorale qui va s'ouvrir, il l'a rappelé hier mercredi dans son discours, néanmoins c'est vrai qu'en effet on est passé dans une nouvelle phase, hein. Moi souvent je vois ça dans les phases, si tu veux, je veux dire, bon, il y a une grande période démocratique pro-occidentale qui a eu lieu à l'Est, hein, après la guerre de 14-18, hein. Bon, ça nous mène de 1918, disons, à 1939, hein, avec la Seconde Guerre mondiale. Après, on sait, c'est la guerre froide, hein, de 1947 à 1989. Puis ensuite, il y a eu une autre grande période, hein, de 1989-90, jusqu'à 2022, hein, où, en effet, il y avait à l'Est tout un grand vent de liberté. Mais cette guerre en Ukraine nous fait passer, en tout cas, dans une nouvelle phase. Qu'est-ce qui peut se produire après? C'est difficile à dire. On peut imaginer qu'il y ait une nouvelle guerre froide, avec un nouveau rideau de fer, qui serait les pays de l'Est, peut-être, peut-être pas. Parce que, après tout, encore une fois, c'est toujours très très complexe pour l'historien de pouvoir dire ce qui peut se produire après. Oui. En tout cas, on est peut-être dans une nouvelle période à coup sûr, et dans quelque chose d'inédit, c'est très clair, hein. Alors, moi, Olivier, je voudrais juste, avant de conclure, de parler de l'OTAN. L'OTAN, tu nous expliques ce qu'est l'OTAN, et est-ce que c'est une bonne chose? Parce que certains disent que l'OTAN aurait provoqué peut-être Poutine. Explique-nous. Alors, l'OTAN, donc, alors c'est très simple. L'OTAN, c'est une organisation, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Hein. Il y en a deux. Hein. Il y a l'OTAN, donc organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est née en 1949. Hein. Et puis, il y a son pendant asiatique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre froide, entre guillemets, qui se termine officiellement en 89-90, n'est pas terminée en Extrême-Orient. Hein. Je veux dire, Corée du Nord, Corée du Sud, Chine populaire, en plus, c'est vrai, c'est encore un autre hotspot, ça, si on peut dire, menace sur Taïwan, hein, pas l'oublier. Mais l'OTAN, si tu veux, en tant que telle, est une pure organisation militaire typique de la guerre froide en Europe, hein, en tout cas dans l'hémisphère nord. Et elle est créée en 1949, et puis ce qu'ont fait les soviétiques en 1955, ils ont créé en face ce qu'on appelait le pacte de Varsovie, qui était exactement la même chose, hein, qui rassemblait donc l'URSS, ses alliés, hein, et évidemment les pays d'Europe centrale et orientale, qu'on appelait à l'époque les pays de l'Est. Alors, après la fin de la guerre froide en Europe, hein, l'OTAN a continué d'exister. Le pacte de Varsovie a été dissous, hein, évidemment, parce qu'il n'y avait plus de raison qu'il existe, qu'il ne pouvait plus exister d'ailleurs. Hein, et l'OTAN a continué d'exister. Et c'est là, justement,
que le phénomène que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce phénomène en fait du fait que les pays récemment libérés du joug de l'URSS, eh bien, bien sûr, la première chose qu'ils souhaitaient, parce qu'ils craignaient qu'il y ait un retour à un moment donné de la menace à l'Est, alors évidemment à l'époque de Boris Yeltsin, c'était sûr que non, mais n'avait-il pas raison de s'inquiéter quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle? Donc ce que ces pays-là, et je vous recommande de regarder la carte des élargissements de l'OTAN, c'est assez impressionnant, tous ces pays-là, dès qu'ils l'ont pu, ils ont demandé à y rentrer. Et les tout derniers, c'est des pays des Balkans, comme par hasard, c'est-à-dire la Croatie et l'Albanie, justement. Puis il y en a plein d'autres qui sont candidats. Le Monténégro aussi, qui est rentré en 2017. Croatie et Albanie en 2009. La Macédoine du Nord en 2020. Parce que les Balkans restent une zone hautement instable, faut pas l'oublier non plus. Donc, oui, on dit que l'OTAN a provoqué, mais en fait, c'est le libre discours habituel, j'allais dire, de l'Ouest. C'est-à-dire qu'un pays veut rentrer dans l'OTAN, on n'a pas vraiment de raison de dire que non, surtout s'il vote pour. Et on sait très bien que l'Ukraine, avant cette invasion, l'Ukraine du président Zelensky, évidemment, avait demandé à intégrer l'OTAN. Elle était d'ailleurs partiellement en train de le faire, et ensuite d'entrer dans l'Union européenne. Toujours le même phénomène. La Géorgie, ça a été pareil. Bon, après, il y a eu le coup de 2008, qui l'intervention sporadique russe, là, qui a refroidi la chose, si on peut dire. Et puis, bien sûr, donc, je l'évoquais tout à l'heure, le cas de la Moldavie. Provocation, moi je pense pas qu'il y ait vraiment provocation, parce que je pense que effectivement Massé, si tu veux, et comme l'a dit Macron hier, c'est bien la Russie qui est l'agresseur, je veux dire, ils ont massé énormément de troupes aux frontières, disons que c'était des manœuvres, etc. Mais à un moment donné, je pense que de la part de Poutine, il y a eu une obligation de fuite en avant quelque part dans cette histoire. Et que bon, effectivement, ils se sont dit, on y va, quoi. Peut-être que ce que prévoyaient les Russes dans leur invasion ne s'est pas réalisé. L'Occident est uni contre, la Chine ne les soutient pas vraiment. Je parle de la Chine ne soutient pas l'action russe, c'est ça que je veux dire. Et puis la politique des sanctions. Bon, les sanctions, est-ce qu'elles auront un effet? Bon, ça fait très longtemps qu'il y a des sanctions contre la Russie, il ne faut pas l'oublier. Peut-être que tout cela, mis bout à bout, aura sans doute un effet. Mais je pense que, effectivement, il y avait vraiment là l'idée de faire un coup en faisant cette intervention militaire, quoi. N'oublions pas aussi ce qu'avait déclaré tout de suite Biden au lendemain de l'invasion, c'est qu'il a dit on défendra chaque moindre morceau de terre et de pays membre de l'OTAN. Et voilà. Et donc, en gros, ça voulait dire on va soutenir autant qu'on peut l'Ukraine libre, en fournissant des armes, etc., en accueillant les réfugiés, enfin en faisant tout ce qu'on peut, ce qui a encore été rappelé hier par le président Macron, là. On n'a pas, et ça, c'est important de le noter, on n'a pas envoyé un corps expéditionnaire se battre aux côtés des Ukrainiens dans cette guerre-là. En tout cas, à l'heure actuelle, ça n'a pas été fait. Parce que derrière tout ça, on a toujours pareil. La dissuasion nucléaire qui, évidemment, ressurgit. On n'est pas dans un cas de figure. Alors moi, je dis souvent ça, si tu veux, peut-être pour conclure, je ne sais pas, mais en histoire, si tu veux, on retrouve très souvent, moi je dis ça à mes étudiants, les mêmes mécanismes dans les crises internationales ou ce qui mène dans les guerres. Mais après, chaque période est différente. Et là, on n'est pas du tout dans une guerre classique de style genre l'invasion de la Pologne par Hitler, quoi. Certes, en effet, c'est les mêmes mécanismes, ça c'est très clair, ça nous y fait penser, c'est vrai, à juste titre, mais il n'y a pas la dimension nucléaire derrière, quoi. Ce
qui est quand même le cas de l'OTAN et de la Russie, puisque bon, bah, la Russie est toujours à l'heure actuelle la seconde puissance nucléaire mondiale. Si l'Ukraine avait été dans l'OTAN, là, ça aurait changé la donne. Oui. C'est-à-dire que là, l'OTAN aurait été obligé de réagir militairement. Ah ben c'est ça, si effectivement, alors après là on est dans la futurologie, hein, même proche, hein, mais si effectivement un des pays de l'OTAN, enfin imaginons, je sais pas moi, que les Russes veulent remettre ça sur une invasion de la Pologne, bon là effectivement, alors en plus vu le contexte, impossible de, comment dire, pour l'OTAN de ne pas se porter au secours de la Pologne. Et là, effectivement, là, on part dans une escalade, apocalyptique, hein, selon moi. Hein. Parce que je vois pas. J'ai du mal à imaginer. Maintenant, on ne sait pas ce qui peut se produire, mais je vois pas pourquoi deux puissances nucléaires se feraient une guerre de type classique, alors qu'à un moment donné, il y aura une telle tension que l'une voudra y mettre un terme par le nucléaire. C'est quand même ce qui s'est produit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, quand on a demandé à Roosevelt, mais pourquoi vous avez, et puis à Truman ensuite, pourquoi vous avez utilisé la bombe atomique, hein, contre le Japon, hein. Je sais pas si tu te souviens de cette anecdote historique, mais il a répondu, les autorités américaine avait répondu, bah on l'a fait, vous savez, parce que c'était pour éviter que la guerre continue encore très longtemps et qu'on ait encore des centaines de milliers de morts. Donc évidemment, on a acheté une bombe sur Hiroshima puis Nagasaki, ce qui a provoqué évidemment tout de suite la demande d'armistice des Japonais. C'est l'argument qui avait été invoqué à l'époque. Donc voilà, donc c'est-à-dire que c'est certainement, évidemment, tout le monde ne va pas se balancer des bombes atomiques comme ça d'un coup, et j'espère bien que ça n'arrivera jamais, mais c'est certain que si on a une telle escalade, à un moment donné, il y en a bien un des camps qui sera tenté de le faire, quoi. Ça, et là, avec la puissance des armes actuelles, c'est...